pour une grande danse, c'est dans bêtise que tu as passé, non, parce que tu connais très bien la résolution pas t'as pas rien pour Guy Philippe, parce que pour le tag un poids, il faut que tu publies. Et moi-même, pas de voulu participer à nos séances, côté que je connais le fond bagaille juste pour me faire peuple à ouais, mais en réalité, c'est bon bagaille qui peut aller chita sous rien. Et je ne pas participer dans la séance ça. Je ne pas participer pour l'autre raison encore, parce que je suis dans Voice. On voit côté qui était lagué sur le réseau, côté je suis dans des qui a parlé, qui était même dit c'est monsieur opposition, qui était même longé doit sur nous, qui dit c'est nous qui fait prendre. Et ça, ça a été touché mon pile. Joue ça, conscience, je dit, je ne pas rentrer dans la séance parce que ça qui a discuté là, donne ou pas qu'on est. Ça a reproché Guilla, était petit bébé à l'époque. Ça a reproché Guilla ou pas qu'on est. Ou pas qu'à rentrer dans nos résolutions pour défendre nos bagailles qu'on pas qu'on est. Et je pense que ce principe-là, c'est ça lié. Avant que nous prenions décision, c'est même j'ai un paquet de lois qui a voté là. C'est même j'ai un paquet de lois qui a voté dans le Sénat. Il n'y a pas chita avec la population pour discuter. Il n'y a pas chita avec l'institution pour regarder comment on peut le faire appliquer. Il suffit que vous ayez voté, sénateur tel voté loi, sénateur tel voté loi, sénateur tel voté loi, mais l'application n'a pas jamais été faite vraiment. Nord-Eslan, Wanik Pierre et sénateur Noah Ralph Fétière étaient toujours solidaires avec la résolution 15 mars Sénat prend pour condamner l'arrestation sénateur élu Guy Philippe. Deux parlementaires ont fait connaître la raison qui te fait prendre résolution. C'est pour dénoncer arrestation et puis extradition sénateur élu Guy Philippe. Cependant, ils n'ont pas traité fond question pour connaître si oui ou non. Concerné, t'es coupable. Yo t'es dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Wilbitch. Question de Jean Arrestation, lui-même, il était fait. Il était question de illégal et même arbitraire par rapport à Jean Question lui-même, il était abordé. Mais moi-même, comme sénateur, est-ce que je suis tout détail? Est-ce qu'il est en drogue? Est-ce qu'il n'est pas en drogue? Moi, je crois que moi-même, je n'ai pas de réponse à ça. C'est Jean Arrestation lui-même qui a été fait. Je ne crois pas que c'est une question de naïf. Nous-mêmes, nous avons comme position, nous, comme sénateur, parce qu'elle nous dit que Jean Arrestation lui-même, il était fait là, encore une fois, il était illégal. Est-ce que le Sénat de la République est capable de confortable, sénateur? Bon, moi-même, quoi que comme dossier lui-même, il est devant la justice, et moi-même, comme sénateur, m'abtonne, si je suis bon, c'est le 5, que j'ai information que le 5 juillet, jugement lui-même l'a fait, moi-même m'abtonne, et je crois que c'est après 5 juillet, m'a plus ou moins comprendre. Jusqu'à présent, marché des résolutions. Non, mais résolution lui-même, il n'y a pas de question pour te dire Guy Philippe n'a droit ou pas, c'est pas de ça. Oui, ça m'a signé jusqu'à présent. Est-ce que la dernière action Guy Philippe pose là, pas passer résolution, non, ma bien. Jusqu'à présent, toujours me jugeant pour qu'on fait, entendre. Oui, il parle plaider coupable, mais moi-même, je dis que entendre. En plus, l'émotion qui te dégage, je joue ça. Parce que moi, ça, et que nous vivons, ça que nous faisons au pays, et comment tu as traité le bonheur. Donc, tu as un peu l'émotion. Et puis, bon côté, payo, sénateur Noah, Naou Marcellus, avec sénateur Louestlan, Antonio Charami, fait connaître, yo pas d'accord avec résolution sénat et prend 15 mars passé à pour condamner arrestation et extradition Guy Philippe dans le pays États-Unis. De parlementaire saoudi, gain majorité sénateur qui t'a supporté résolution si là, ça fait position payo, pas de passé. Yo toujours dans le micro, Fédéral Confident avec Moïse Wilbridge. Pour moi-même, tu as une erreur parce que moi-même, je ne suis pas d'accord. Il y a l'autre qui n'est pas d'accord, mais cependant, il prend et que l'Assemblée est souveraine. Mais cependant, vous reconnaissez que le Sénat est erré dans la résolution. Ça. Bon, je ne vais pas dire que le Sénat est fait erreur parce que chaque monde comprend la réalité. Moi-même, quand je parle là, je comprends. Et ou même comme journaliste, je vais recevoir. Ils sont militants politiques. Nous sommes dirigeants, je suis sénateur de la République et chef de parti. Et que quelle que soit la décision, je m'apprends en vertu de âme et conscience. Une grande danse, c'est dans la bêtise que tu as passé, non, parce que tu connais très bien la résolution pas t'as rien pour Guy Philippe. Parce que pour le tag un poids, il faut que tu publies.
et moi-même pas voulu participer dans ces séances côté que me connais me font bagarre juste pour me faire peuple là ouais mais en réalité c'est bon bagarre qui pour aller chita sous rien et me pas participer dans ces séances ça me pas participer pour l'autre raison encore parce que m'étais dans voice on voit côté qui était lagué sur réseau côté m'étais tendé c'est qui a parlé qui était même dit c'est monsieur opposition yo qui était même longé doit sur nous qui dit c'est nous qui fait prendre et ça ça a été touché mon pile joue ça conscience m'était dit me pas rentrer dans ces instants parce que ça qu'a discuté là donne ou pas connait ça yo reproché Guya était petit bébé à l'époque ça yo reproché Guya ou pas connait ou pas qu'à aller rentrer dans résolution pour défendre nos bagages qu'on pas connait et me pense principe là c'est ça lié avant que nous prenions décision c'est même gens ont paquet loi qu'a voté là c'est même gens ont paquet loi qu'a voté dans Sénat. Il n'y a pas chita avec la population pour discuter. Il n'y a pas chita avec l'institution pour regarder comment on peut le faire appliquer. Il suffit que vous avez loi voté, sénateur tel voté loi, sénateur tel voté loi, sénateur tel voté loi, mais l'application n'est pas jamais faite vraiment. Développement Tityo, c'est Kounye en dans le journal. Il y a un jour après, sénateur élu Gandaslan Guy Philippe a décidé de plaider coupable dans le cadre d'implication dans le trafic de drogue avec blanchiment d'argent. En pile réaction enregistrée dans le niveau parlement. Sénateur Noan a oumancé lui, qui n'a pas voté résolution. Vous voyez, j'étais l'idée qui t'a fait quoi. Décision Guy Philippe prend pour plaider coupable devant la justice américaine, capable de répercussions sous Sénat républicain. Il était dans le micro, José Lexidor, à qui vont s'y. Moi personnellement, je n'ai pas voté, je n'ai pas de raison politique pour ça. Et je suis là en 2002, le accord a été voté loi, moi je suis contre loi. Et donc, le Sénat, l'Assemblée des sénateurs qui a une position par eux, un sénateur qui a une position par eux, mais cependant, chaque ministre sert à eux. Ça dépend de gens que chaque sénateur comprend une réalité politique là et une réalité. Et qui passait dans le Sénat le jour du vote. Et il y a des sénateurs que nous sommes, presque trois, c'est le sénateur Lambert, moi-même, avec l'autre sénateur qui Chapim, qui n'est pas d'accord. Nous demandé pour enlever. Enlever paragraphe, dernier paragraphe là, cependant, il n'y a pas d'accord. Bon, moi, je n'ai pas voté. Et donc, moi, je suis Jean-Mouel, et que cette résolution est capable par rapport à dans pile l'émotion. Et que certains sénateurs qui veulent gens, mais il y a l'autre qui veulent l'autre gens. Donc, on suit, parce que je ne crois pas que la résolution du Sénat mette le Sénat dos au mur. C'est un comportement qui est affiché. Donc, moi-même, pas de voter parce que je veux l'autre gens. L'autre qui te vote, il veut gens. Donc, mais ça, le Sénat, c'est une institution qui peut permettre que le pays avance. Je ne dis pas naïf, mais c'est une décision qui prend, c'est certains sénateurs qui ont voté. Mais il y a un groupe de sénateurs qui n'ont pas voté parce qu'ils allaient plus loin, ils allaient plus loin que eux. Si on va reprocher aux sénateurs, ou bien aux civils, la police a fait le travail. Moi-même, je pense que c'est une situation qui est très délicate, que nous ne pouvons pas aller fort sous lui. Résolution que le Sénat prend pour moi-même. Député Abel Décolline estime que c'est un grand temps pour le Conseil électoral provisoire à cause d'être autorisé, sénateur élu Gandaslan Guy Philippe, participer dans l'élection. Les croyants sénateurs ont dû prononcer publiquement pour reconnaître qu'ils ont fait erreur les sénateurs voter résolution pour condamner l'arrestation Guy Philippe. Lieutenant dans le micro, José Lexidor, à qui vont s'aider. Évolution dans le dossier Guy Philippe Blanc, lui révélait que M. Guy Philippe acceptait que lui coupable de blanchiment de trafic de drogue. Donc, comme haïtien, comme parlementaire, capable de dire tout simplement, c'est une honte pour la République, c'est une honte pour nos institutions d'avoir laissé un élément aussi controversé participer dans une élection côté population lui-même, il était gagné pour le voter pas en vertu de un monde, mais d'un programme. Très certainement, mon grandance était voté M. Guy Philippe parce que peut-être il était fait preuve d'un charisme, il était exprimé une certaine vision, certains projets. Donc il s'est révélé malheureusement que M. Guy Philippe n'est pas tout à fait en odeur de sainteté. Le Parlement haïtien, tout au moins le Sénat de la République, n'est pas la seule ni la première institution au niveau international à avoir
pris une décision et qui s'est rendu compte que errer, ça arrivait dans les grandes démocraties, ça arrivait même au niveau des Nations Unies. Voilà, donc le Sénat de la République comme institution, l'y gagnait tout simplement, et c'est une obligation pour que vous prononciez au publiquement si vous êtes erré de bonne foi. Pour y dire que vous êtes erré de bonne foi, et donc parfois, vous êtes capable de condamner. Probablement, vous êtes capable d'errer de bonne foi, parce que, dans un premier temps, le sénateur élu Guy Philippe, l'était plaidé non coupable. Sénateur Nandeslan, Wanik Pierre, rappelé résolution Sénat République, l'été voté, t'es seulement condamné, forme arrestation, qui d'après lui, t'es illégal. Parlementaire qui dit toujours camper des positions, rappeler votre lampe pas faite pour déterminer s'il était coupable ou bien innocent dans le cadre de dossier ça. On suit. Moi, je crois que le Sénat République, lui-même, il n'est pas rentré dans le détail. Yo. Il était simplement question de gens arrestation, il était question de illégal et même arbitraire par rapport à gens question lui-même, il était abordé. Mais moi-même, comme sénateur, est-ce que je suis tout détail, est-ce qu'il y a une drogue, est-ce qu'il n'y a pas de drogue, moi, quoi que moi-même, je n'ai pas de réponse. Pas quoi, c'est une question de naïf. Nous-mêmes, nous débattons comme position, nous, comme sénateur, parce qu'il nous dit que gens arrestation, lui-même, l'idée faite là, encore une fois, l'idée illégale. Moi-même, quoi que comme dossier lui-même, l'idée devant la justice, et moi-même, comme sénateur, m'abtonne, si je suis passé les 5, j'ai information que 5 juillet, jugement lui-même l'a fait, moi-même m'abtonne, et moi, quoi que c'est après 5 juillet, moi-même, il n'y a pas de question pour te dire Guy Philippe n'a droit ou pas. Jusqu'à présent, toujours, même pas qu'on est pour qui ça, président de l'Union européenne, ça revient directement à présidence pour lui dire exactement pour qui ça. Je ne voulais pas rentrer dans un sentiment présidence pour me dire son rejet. Préfère qu'il me donne jusqu'à présent qu'il me pourrait regretter. Et peut-être ça après 5 juillet, je connais si je regrette ou pas. Excuse publique, même quoi qu'après 5, c'est sûr que le Sénat est capable de chita pour dire qu'il comportement qu'il a bien. Et de l'autre côté, le sénateur Wanik Pierre lance un appel à l'autorité dans le gouvernement pour dégager le coup de Jean-Jacques pour porter assistance à la population grand sud qui en bas. On rappelle la pluie qui tombait sur quelques régions dans le pays en week-end passé à la cause pour pipiti deux mouns mourir avec plusieurs dégâts matériels enregistrés. Lieutenant micro, Josué Lexidor, à qui vont s'il. Oui, par rapport à la situation qui vient aujourd'hui, le gouvernement gagne obligation eh bien, pour chercher moyen pour être capable d'atteindre la situation difficile. Population lui-même la vivre là. Surtout, le président Jovenel a fait campagne, il a dit qu'il y a une possibilité pour aider la population haïtienne à sortir d'une situation difficile, la vivre chaque jour plus. Je crois que le président Jovenel et tout le gouvernement jouent devant le fait accompli. Je crois qu'il y a un pile d'efforts qui sont censés être faits. Et je crois nous-mêmes, comme journalistes, et nous vivons là. C'est quelques jours, le gouvernement lui-même l'a gagné depuis le monté là. C'est dans l'état des liés, le gouvernement lui-même lié. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait un petit temps pour que normalement, il y ait une solution à ensemble de problèmes qui gagnent dans le pays, notamment dans le Grand Sud. Là. Mais est-ce qu'il y a une possibilité pour aujourd'hui, demain, le problème résoudre? La réponse, c'est non. Même quoi que il y a un pile travail qui a fait, pas plus tard que hier. Moi-même personnellement, moi j'étais le ministre intérieur là. J'étais en réunion avec un député sénateur dans la région. C'est clair, à partir de demain, après-demain, c'est sûr, je me dis, il faut que la situation lui-même commence. L'autre point, président de la commission affaires sociales dans la chambre députée a annoncé rencontre l'été doué gagné avec un ministre affaires sociales, Roosevelt Bellevue. Reporté pour mercredi 3 mai 2017 à cause de plusieurs responsables, tant que directeur ONA, EPPLS et PCIS, pas de prison. Rencontre ça, tu es doit faire sur feuille de route ministère, mais tout poser différents problèmes qui déjà diagnostiqués dans la direction ça. Président commission, on est dans le micro, José Lexidor, à qui vont s'y aider. Nous, effectivement, dans cadre activité commission affaires sociales, travail et famille, chambre députée, nous avons doué gagner une rencontre avec le ministère affaires sociales. Autour de deux éléments. Un, c'est pour nous être capable de prendre connaissance de feuilles de route qui sont exécutées par le ministère là, qui est en relation avec la déclaration de politique générale
Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Et deuxièmement, pour nous être capables d'évaluer l'état des lieux ministère des Affaires sociales, là, qui est dans une situation vraiment difficile. Donc malheureusement, nous sommes obligés à ajourner rencontre là sous demande ministre qui pas été accompagné de certains directeurs que la commission a souhaité entretenir avec, tant que directeur CAS, directeur ONA, directeur IBES et EPPLS. Donc rencontre là, nous ajourner pour mercredi 3 mai, toujours à 11h, dans la logique pour nous capables de partager avec les responsables de la situation que nous diagnostiquons dans organisme, dans l'institution que vous-même administré. Et le ministre fait état d'une urgence que nous connaissons tous qui vient dans le sud et que lui-même n'était pas même certain qu'il n'a pas répondre à la deuxième invitation, ça, puisque l'invitation a été lancée une première fois, c'était reporté pour aujourd'hui, mais les catastrophes naturelles, personne n'est pas capable de prévoir, donc il produit et nous sommes conscients que le gouvernement doit répondre à besoin au secours de population qui frappée par la dernière situation. Donc nous admettons que nous reportons et souhaitons que mercredi 3 mai, nous arrivions à un ensemble d'explications que la commission a cherché auprès de responsables. Par rapport à la situation difficile de la population dans le Grand Sud à faire face à cause d'inondations, le ministre des Affaires sociales a informé l'ordre qui est déjà passé par le directeur départemental des Affaires sociales pour mettre disponible pour les victimes de manger qui était stocké pour la cantine populaire. Évaluation a fait tout le monde qui perd des cailloux dans l'idée pour reconstruire d'après le ministre. En suivant. Rapidement, que nous t'ai informé dimanche matin de catastrophe ça, nous intégrer le directeur départemental de l'affaire sociale là, et rapidement, nous t'ai fait diligence pour que 500 kits soient distribués à monde qui était censé toucher par conséquence d'Aram ça. Et rapidement, lundi matin à 3h du matin, moi-même, Premier ministre, ça, avec le ministre intérieur, nous t'ai rendu sous les lieux pour au état des lieux. Et voir après quel type d'action que nous sommes capables de prendre. En ce qui concerne le ministère, non, moi, j'entends passer l'autre bail directeur départemental de l'affaire sociale, non, pour que des stocks que manger que nous avons pour alimenter des cantines communautaires, mettez à la disposition des mondes les plus vulnérables. Et actuellement, on travaille sur le programme pour que nous envoyer une cargaison de manger, de kits, pour que distribuer à Mounsayo. Moi, je parle déjà avec le directeur PLSA. Pour que les valeurs soient faites de cailles écrasées, des gens qui perdent des cailles, pour nous qui solutionne le capoté à court terme, à moyen terme et aussi à long terme. Et en ce qui a trait à un restaurant qui était déjà existé, nous allons l'alimenter, et aussi augmenter, surtout dans la section communale, donc puis toucher. Matin, moi j'ai passé l'ordre à la directeur départemental d'affaires sociales hein, pour que là, sous les lieux, surtout en droit qui puis toucher, et voir qui moyen que nous allons mettre en œuvre pour que nous portions assistance à la fois, surtout humanitaire, alimentaire à Mounsayo, et ensuite voir comment nous sommes capables de à reloger dans le plus bref délai. On finit net avec malaria sous terre d'Haïti. C'est sous terme ça, ministère de Santé publique et population, célébré jeudi en Journée mondiale malaria. C'était l'occasion pour le ministre de la Santé, Marie-Greta Roy-Clément, préciser ensemble bataille institution à mener dans l'idée pour arriver à éliminer toute bon vrai maladie malaria dans le pays d'Haïti. L'économico de Donné Saint-Cyr avec Jasmine Denis. Un grand nombre de personnes les plus vulnérables, en particulier les jeunes enfants et les femmes enceintes, ne sont toujours pas